L'ESS est une façon d'entreprendre autrement, en mettant bien évidemment l'humain en priorité. L'ESS est un concept qui est réalisé donc par un travail collaboratif avec des axes structurants et à partir d'initiatives concrètes, innovantes et inspirantes, issues des territoires et selon les besoins du territoire. Le mois de l'ESS, bon, cette année c'était la deuxième édition parce qu'on avait déjà une édition en 2017. L'ouverture du mois de l'ESS c'était le 19 octobre 2018. Et donc depuis cette date-là, nous avons organisé 14 événements dans l'ensemble de la communauté d'agglomération Roissy-Pays de France. Il y a eu 320 participants, dont 150 étudiants de l'IUT de Sarcelles. Donc c'était quand même des événements ouverts à toute la population. La ressourcerie est un centre de réemploi de déchets. Ce centre est porté par l'association Image, qui est située à Villiers-le-Bel. Ça fait 2 ans maintenant que nous créons des trophées dans le cadre du mois de l'ESS. Donc cette année, un trophée à partir de pièces de métaux. Tout ce qui peut être réparé est ensuite vendu en boutique. J'interviens au sein de l'association Image depuis plusieurs années. Mon travail consiste à accompagner les jeunes de manière individuelle et à identifier quels sont leurs freins à l'insertion professionnelle. C'est avant tout l'entraide entre les éducateurs et les stagiaires. Un esprit réellement familial. Le 29 novembre, nous avons récompensé les projets innovants. C'était 4 projets, c'était les trophées de l'ESS. Nous avons attribué un chèque de 3000 euros à chaque lauréat. Nous avons monté un centre de santé dentaire associatif dans le quartier QPV Dame Blanche Nord. Je suis ravi déjà de ce trophée d'économie sociale et solidaire. On avait rencontré la communauté d'Aglo pour leur présenter ce projet innovant autour du bus de la santé. Le 6 décembre, nous avons clôturé le mois de l'ESS avec le comptoir des projets. Et ça, c'était aussi une première parce que là, on a travaillé plutôt avec les habitants en direct. Le comptoir des projets est un comptoir qui reçoit des porteurs de projets de l'agglomération, c'est-à-dire des habitants de l'agglomération, et qui vont faire vivre au quotidien d'ailleurs l'ESS. Les valeurs, c'est d'abord la solidarité, c'est l'utilité sociale. La priorité, c'est l'humain et non pas le profit. L'agglomération et mes services de la direction emploi, nous travaillons beaucoup sur l'accompagnement du demandeur d'emploi. Nous le préparons à la recherche de l'emploi, nous facilitons le contact du demandeur d'emploi avec l'entreprise, nous allons jusqu'à faire des formations sur le savoir-être et le savoir-faire. Notre rôle aussi, c'est de les préparer à avoir un emploi durable. Et c'est d'ailleurs le rôle de l'ESS avec l'insertion professionnelle. Notre objectif, c'est de permettre à toutes les structures de travailler ensemble, en complémentarité et non en concurrence, et de répondre aux besoins de nos habitants pour les aider à trouver un emploi.